Papaquin, 7 millions de dollars américains pour la réhabilitation de certains axes routiers dans le Kwilu. Pas de développement du secteur agricole sans route. C'est dans ce cadre que dans ses différentes interventions, le programme d'appui au col d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers, Papaquin, met un accent particulier non seulement sur la production vivrière, mais aussi sur les routes de desserte agricole, sans lesquelles l'évacuation de tous les produits est très difficile, voire impossible dans certains coins, où même les motos n'arrivent presque pas. Voilà qui justifie le lancement ce 25 janvier 2020 dans le secteur d'Imbonho dans le territoire de Bulengu des travaux de réhabilitation de deux axes routiers et de deux ponts dans la province du Kwilu, à savoir l'axe Kikwit Sacré-Cœur Kimputus et Kekubi Pont Kantcha, 102 km, et l'axe Bif RN Ngomena Boualangi Diofa, 80 km, ainsi que les ponts Lufuku 2 et Luchima, sur la route Gangu Kakobola Kizala Minjindu Kabudi. Travaux qui seront exécutés par l'Office des routes pour un montant près de 7 millions de dollars pour une durée de 8 mois. Le coordonnateur national du Papaquin, Popol Kizangu, qui n'a pas caché sa satisfaction de voir ses travaux être lancés ce jour, a indiqué que ce programme du gouvernement de la RDC, en partenariat avec son bailleur FIDA, ne vise autre chose que de contribuer de manière durable à l'amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des paysans producteurs. Les routes sont une des priorités dans la relance du secteur agricole, a-t-il ajouté. Dans son mot de circonstance, le vice-gouverneur de la province du Kwilu, qui a lancé ses travaux, a félicité le Papaquin pour la qualité de ses différentes activités dans la province du Kwilu, précisément dans les territoires d'Idiofa, de Bulengu et de Gangu. Il a non seulement plaidé pour l'extension de ce programme salutaire du gouvernement dans d'autres territoires, mais aussi et surtout à sensibiliser la population pour une appropriation sans faille. Il faut noter que le responsable des infrastructures rurales, Gérard Bafuka, a donné beaucoup de détails aux autorités locales et provinciales sur les différents axes routiers de desserte agricole concernés par ces travaux, et a insisté sur la durabilité de ces ouvrages après le Papaquin. Pour l'ingénieur Bafuka, sans une politique efficace d'entretien routier, ces différents axes réhabilités par le Papaquin disparaîtraient avec l'achèvement du programme. Les bénéficiaires de leur côté, contents du lancement des travaux et surtout de leur finition, qui mettrait fin à leur peine liée à la difficulté d'évacuation des produits et des pertes post-récolte, n'ont pas tari d'éloges envers le Papaquin. Source: mediacongo.net.